We are now about to hear our final presenter, and we are running quite late. We're about a half an hour late, but I would like to call Gustave Macia, who works on the International Council of the World Social Forum. Vous allez parler en français? Vous allez parler en français? Oui, oui, c'est. Nous allons entendre Gustave Macia maintenant. Thank you very much. And if you allow me to speak French, I know it's an effort for the jury, but it is the last one. Bien, donc la question qui est posée est évidemment très difficile. Parce que c'est, comme ça l'a été précisé plusieurs fois, la question de la stratégie. Puisque nous savons depuis des décennies que ni les gouvernements, ni les institutions internationales ne sont vraiment prêtes à faire respecter les droits du peuple palestinien, qu'est-ce que nous pouvons faire? Pour cela, en réalité, il faut revenir sur la stratégie du tribunal Russell et des tribunaux permanents des peuples. Parce que la stratégie, ça consiste justement à essayer de relier la réponse à l'urgence, c'est-à-dire la situation du peuple palestinien, à une perspective qui est celle de la paix et de la justice. Pour cela, il faut peut-être revenir très, très rapidement sur la question des tribunaux d'opinion. En 1966, comme l'a rappelé Pierre Galland à l'ouverture, Bertrand Russell et Jean-Paul Sartre, avec aussi Lelio Basso et Danilo Dolci, créent le tribunal Russell sur le Vietnam. En 1974-1976, ils font un nouveau tribunal Russell sur l'Amérique latine. Et en 1979, Lelio Basso, avec un certain nombre d'autres personnes, crée le tribunal permanent des peuples, qui est saisi par des mouvements et qui va élaborer 34 sentences. Et depuis 1979, la question est toujours posée. Qu'est-ce que nous faisons, excusez-moi de dire nous, puisque j'ai participé à plusieurs tribunaux, et comment nous pouvons arriver à faire avancer les idées pour lesquelles nous nous battons? De ce point de vue, le tribunal d'opinion, tribunal des peuples, tribunal Russell, parce que si Ken Coates, qui a poursuivi pendant tellement longtemps ce que avait commencé Lord Bertrand Russell, si finalement, à la demande de Pierre Galland, Stéphane Hessel, Leïla Chaïd, il accepte de refaire un tribunal Russell sur la Palestine, c'est parce qu'il se rend compte du rôle symbolique de la Palestine dans le droit international et qu'il se rend compte aussi d'une autre question qui est très importante, c'est la centralité de la question palestinienne dans le droit international et dans le monde aujourd'hui. Le tribunal permanent des peuples, le tribunal Russell, sont issus de la société civile internationale. Ce sont une de ces manifestations. Mais en fait, ils font appel à la société civile internationale pour mettre en œuvre les propositions et les sentences. Je crois qu'il faut bien comprendre ce double mouvement.
pour le tribunal, les tribunaux d'opinion, la perspective de long terme, c'est de peser sur le droit international. Et les tribunaux d'opinion y arrivent. Je prendrai un seul exemple. Le tribunal qui s'est réuni à Bhopal, à la demande des victimes qui n'avaient pas été indemnisées de l'accident de Union Carbide. Eh bien, ce tribunal a émis des propositions, notamment sur la responsabilité des multinationales dans les catastrophes écologiques majeures, qui servent aujourd'hui de fondement aux débats internationaux sur la responsabilité des multinationales du point de vue écologique. Donc le tribunal a la possibilité de faire progresser le droit international sur le long terme. Et il le fait. Pourquoi ? Parce qu'il se situe dans une idée face au pouvoir économique, face au pouvoir des gouvernements, il faut construire un pouvoir citoyen. Voici la perspective de long terme. Mais évidemment, ce n'est pas une stratégie, ça. C'est un objectif. La stratégie immédiate, c'est de pouvoir servir ceux qui luttent et qui résistent. Et donc, ce que fait le tribunal, ce qu'ont fait tous les tribunaux, c'est de faire des sentences qui peuvent servir à ceux qui résistent. Et donc, la question qu'il faut que nous nous posions aujourd'hui, c'est comment les sentences du tribunal vont pouvoir servir à ceux qui résistent, c'est-à-dire au peuple palestinien. Et de ce point de vue, je vais développer trois, très rapidement, idées ou propositions ou analyses. La première, c'est la question de la mobilisation du peuple palestinien et du mouvement, puisque nous parlons de la société civile internationale, du mouvement de solidarité internationale avec le peuple palestinien, qui est le premier qui sera capable de se saisir des sentences du tribunal pour les défendre dans l'opinion publique, pour peser sur les gouvernements, pour peser sur les institutions internationales. Et ensuite, je parlerai d'une deuxième dimension, c'est le renouvellement du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien à travers la campagne boycott, développement, sanctions, pour lequel justement les travaux du tribunal peuvent être très importants. Et troisièmement, je parlerai du prolongement de la centralité de la question palestinienne dans la nouvelle période qui est ouverte, parce que c'est là que l'on peut élargir, trouver des alliances et relier la question de la résistance du peuple palestinien avec les autres questions qui sont posées au monde aujourd'hui. Bon, sur le premier point, évidemment, il faut soutenir les mouvements palestiniens en Cisjordanie, à Gaza, dans la Palestine de 48, dans le camp des réfugiés. C'est la première priorité. Et donc, c'est la priorité que se donne la société civile internationale, mais le terme société civile internationale n'est pas très bon parce qu'il n'existe pas de société civile internationale indifférenciée. C'est pour ça que, de notre point de vue, nous parlons plus des mouvements que de la société civile. Parce que ce sont les mouvements qui sont porteurs d'une dynamique et d'un certain nombre de propositions. Et donc, il y a effectivement, notamment depuis 2001, de nouveaux mouvements de solidarité avec la Palestine qui se sont donnés comme objectif le renforcement des mouvements palestiniens et qui ont fait converger vers la Palestine tous ceux qui voulaient soutenir les mouvements palestiniens, y compris en étant physiquement présents, comme entre 2002 et 2004 avec les mobilisations pour le siège de la Moukata, comme avec la flottille pour Gaza, dont on a vu l'exemple tout à l'heure. Ça, c'est un peu... Et aussi à travers tous les mouvements de solidarité qui soutiennent des projets en Palestine, qui soutiennent justement la possibilité pour des associations palestiniennes, pour la société civile palestinienne,
de survivre, de résister, de se renforcer. Cette action est très visible dans un processus qui est celui du Forum social mondial. Vous savez, le Forum social mondial, c'est la convergence des mouvements sociaux et des réseaux mondiaux des mouvements. Excusez-moi, je vais regarder notre présidente. Et effectivement, ces différents mouvements ont toujours soutenu les mouvements palestiniens. C'est les mouvements de défense des droits humains, pour l'éducation, pour la santé, les organisations paysannes, les organisations syndicales. Dès le premier Forum social mondial en 2001 à Porto Alegre, la délégation des mouvements palestiniens était en tête de la manifestation. Et depuis, dans tous les forums sociaux mondiaux, les mouvements palestiniens sont en tête des manifestations d'ouverture des forums sociaux mondiaux. Et il y a des activités autogérées, des assemblées, des discussions autour de la question palestinienne, qui est réellement une des questions majeures. Et il y a eu un autre événement qui est très important, je pense, c'est que les forums sociaux mondiaux ont organisé, avec toute une série d'organisations palestiniennes, avec toutes les associations de la société civile palestinienne et aussi des mouvements politiques d'ailleurs, le Forum mondial de l'éducation qui s'est tenu en Palestine et au Liban du 28 au 31 octobre 2010. Et c'était le fait de faire venir plusieurs centaines d'associations du monde entier en Palestine pour tenir des ateliers, des plénières, des manifestations à Ramallah, Jenin, Bethléem, Naplouse, Tulkarem, Hébron, Jérusalem, Gaza, Nazareth, Jaffa. Ça a été une des premières manifestations internationales en territoire occupé. Et chacun sait ici, puisque beaucoup que je vois dans cette salle font partie des missions civiles et d'autres mouvements de solidarité, combien il est difficile d'arriver jusqu'à Ramallah. Eh bien là, il y a eu quand même un événement considérable. Et je pense que ça peut être une des indications de comment soutenir le mouvement palestinien et montrer qu'il n'y a pas d'isolement de la question palestinienne. Et c'est quelque chose qui va continuer. Du 28 novembre au 1er décembre 2012, aura lieu à Porto Alegre, au Brésil, le Forum social mondial Free Palestine, pour une Palestine libre, organisé par l'ensemble des mouvements, et y compris, et beaucoup cette fois-ci, les mouvements syndicaux. Et donc, vous pouvez y aller. Je pense que ce sera un moment très important. Et de plus, après le Forum mondial en Palestine, les mouvements féministes palestiniens, le National Committee of Joshua Network, a décidé d'organiser le Women Education Forum en Palestine pour lutter la lutte contre l'occupation, les luttes sociales et les luttes des femmes pour leurs droits. Et il y aura le Forum social mondial de Tunis en mars 2013, à Tunis, et dans lequel nous espérons pouvoir présenter publiquement et très solennellement les résultats du tribunal Russell sur la Palestine, puisque sa conclusion devrait avoir lieu avant, justement, à Bruxelles. Donc voici une des premières possibilités, une des premières formes de soutien au mouvement de solidarité palestinien. Alors maintenant, je voudrais insister sur la campagne boycott des investissements sanctions. Bon, je ne reviens pas sur cette question du boycott, je crois que c'est une action citoyenne non violente, active, qui fonctionne comme un révélateur. Le boycott répond à une situation de domination. Historiquement, le boycott a servi à remettre en cause plusieurs formes de domination, l'esclavage, la colonisation, l'apartheid, les discriminations. C'est au tribunal, c'est à la session du tribunal
à Cape Town que Desmond Tutu a déclaré que le boycott a participé à la réponse contre l'apartheid et a contribué à engager une transition relativement non violente. Et dans le cas du conflit entre Israël et la Palestine, le boycott pourrait permettre de faciliter une solution de ce type. La campagne boycott, développement, sanctions s'oppose à trois éléments qui caractérisent le conflit entre la Palestine et l'État d'Israël. L'occupation, la colonisation, l'apartheid. Voici les trois questions qui sont posées. Et sur ces trois questions, la bataille est en même temps politique et c'est aussi une bataille idéologique, c'est une bataille des idées. La très longue lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud montre que la campagne de boycott doit s'inscrire dans une perspective stratégique. Parce que le boycott n'est pas un but en soi, c'est une manière de se battre. Le boycott sert d'abord à délégitimer l'état de colonisation et d'occupation. Et il sert aussi à aiguiser les contradictions. On l'avait vu en Afrique du Sud, en Inde, aux États-Unis, comment le boycott accentue les contradictions entre les États au sein du système international et aussi entre les entreprises. Et déjà, le boycott a marqué un certain nombre de points. La campagne de boycott a marqué un certain nombre de points. La société Veolia, eh bien, elle n'a pas eu le renouvellement du marché de gestion du métro de Stockholm, qui est un montant de plusieurs millions de dollars. Elle n'a pas eu le renouvellement des marchés de gestion des déchets de l'eau dans les banlieues londoniennes. Donc, la campagne de boycott peut marquer des points. Et je pense que c'est une des campagnes qui peut le plus remettre en question justement la manière dont Israël essaye de construire son image. Et le boycott pose aussi la question à la société israélienne, quel avenir elle veut choisir. Alors, il faut revenir sur ces trois questions de l'apartheid, de la colonisation et de l'occupation. La question de l'apartheid est une des questions les plus difficiles. J'entends bien ce qui a été dit, notamment sur la question de l'apartheid par rapport à un certain nombre de nouvelles notions, comme notamment celle de sociocide, qui est tout à fait intéressante. Mais aujourd'hui, la question de l'apartheid est la question qui soulève le plus de contradictions dans la mobilisation et dans le soutien. Pour beaucoup de gens, il n'existe pas de régime, il n'existe pas d'apartheid comme en Afrique du Sud, et pourtant, il n'existe pas de régime normalisé d'apartheid, avec une marque déposée. Mais il y a des éléments qui permettent de qualifier le régime israélien comme un régime d'apartheid. Et je pense que les deux questions contre lesquelles l'État d'Israël est le plus mobilisé aujourd'hui, c'est la question du boycott économique et la question de l'apartheid. Alors, la question de la colonisation est tout à fait déterminante, parce que il faut voir la manière dont fonctionne la colonisation en Palestine, qui permet de comprendre que c'est une théorie militaire de la colonisation qui construit le territoire. Au départ, la colonisation, c'était l'implantation de colonies entourées de villages palestiniens. Mais en très peu d'années, une dizaine, la loi sur la continuité territoriale a transformé la réalité maintenant, c'est que la colonisation, ce sont des villages palestiniens entourés de colonies. Oh. L'occupation est la troisième dimension. L'armée israélienne est d'une certaine manière l'avant-garde d'une nouvelle stratégie militaire qui est celle de comment faire la guerre du fort au faible. Et l'armée israélienne explore la guerre du fort au faible. Vous savez que, par exemple, ce sont les Israéliens qui ont appris aux Américains, du point de vue militaire, que quand on rentre dans un village
Il ne faut pas rentrer par les portes, il faut détruire les murs. Et donc, effectivement, c'est un peu ça qui est un... Donc ça, c'est un peu... Donc je voudrais aborder la troisième question. Ce qui se passe en Palestine, c'est la centralité de ce qui se passe en Palestine. Parce que la question palestinienne met en évidence plusieurs grandes questions stratégiques de la situation mondiale. La première, c'est celle de la décolonisation inachevée. La Palestine est l'exemple le plus emblématique de la décolonisation inachevée. Mais elle se situe dans une nouvelle situation, qui est celle de la recolonisation, qui passe par l'accaparement des terres et le contrôle des matières premières. Et donc la Palestine est l'exemple pour beaucoup de peuples, c'est ce que nous avons vu dans les forums sociaux mondiaux. Pierre avait organisé une tente Palestine qui montrait comment en Afrique on comprenait très bien ce que voulait dire l'accaparement des terres et le contrôle des matières premières, y compris environnementales, des ressources. La deuxième question, c'est la question géopolitique de la crise globale. Avec le déclin de l'hégémonie occidentale et le basculement du monde. Et de ce point de vue, c'est très important parce que les grandes questions se développent, les grandes idées se développent au niveau des régions géoculturelles. On a bien vu l'évolution de l'Amérique latine, etc. Mais ce qui se passe au Moyen-Orient est aujourd'hui quelque chose de fondamental qui n'a pas encore mis en évidence tout l'avenir qui est possible, tous les avenirs qui sont possibles. Et notamment, l'évolution du Moyen-Orient, du Mashrek, pose aujourd'hui une question redoutable à Israël. Si Israël continue à penser que son avenir, il est avec les États-Unis et l'Europe, et abandonne l'idée de l'intégration dans la région telle qu'elle va se développer, eh bien là, l'avenir d'Israël est réellement, profondément en cause. La troisième dimension, c'est sur la question de l'apartheid, c'est qu'il y a une évolution de la notion d'apartheid au niveau global. On parle d'ailleurs aujourd'hui d'apartheid global, parce que l'idée de l'apartheid, qu'il est juste d'avoir un développement séparé, que chacun doit être ethniquement pur sur son territoire. C'est une reconstruction de l'histoire. Effectivement, ça fonde la ségrégation ethnique dans le monde. Le monde se couvre de murs dans lesquels les riches se protègent par rapport aux pauvres. Et cette notion d'apartheid, c'est ça qu'il s'agit de remettre en question fondamentalement. Il y a une autre question, ce sera l'avant-dernière que je développerai, c'est que, justement, la campagne BDS nous permet de voir aujourd'hui la question du droit international. D'abord, c'est évident, ça a été répété plusieurs fois, le droit international ne peut pas survivre avec l'idée des deux poids, deux mesures. Si certains bénéficient d'une impunité, il ne peut plus y avoir de droit international. Mais il y a aussi une autre question aujourd'hui qui est posée au niveau du droit international. La campagne BDS a été attaquée et la Cour d'appel de Paris prétend aujourd'hui que le boycott est illégal. Pourquoi ? Parce qu'il est porteur de discrimination économique par rapport aux produits et aux entreprises. Et donc, de plus en plus, il y a des législations qui remettent en cause le boycott parce qu'ils ne correspondent pas à l'idéal néolibéral, financier. C'est-à-dire que la bataille pour le droit international, c'est celle qui avait commencé en 1999 et qui avait donné naissance au Forum social mondial. Le droit international ne doit pas être subordonné au droit des affaires. Or, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'actions pour subordonner le droit international au droit des affaires. Et donc, la lutte du peuple palestinien est un révélateur. La société civile
les mouvements, je préfère dire, se sont déjà saisis des sentences du tribunal, de celle de Barcelone, de celle de Cape Town, de celle de Londres. Et maintenant, il s'agit de renforcer les mobilisations contre la colonisation, contre l'occupation, contre le mur, pour le droit de retour des réfugiés, contre les discriminations en Palestine et dans le monde. Merci. So we have a few minutes for questions. Cynthia, I want to begin with a question, and then I think Mireille, and then Cynthia. I appreciated your emphasis on movements in relation to civil society, international civil society. And you evoked briefly the part that feminist movements have played or can play. And I'm really sorry that we're now ending, because it seems that particularly since we are addressing the question of US and UN complicity in supporting Israel, the policies of Israel, that we should perhaps talk about what the labor movement might do, or what feminist movements might be able to contribute, or what LGBT movements or anti-racist movements or movements against the prison industrial complex and mass incarceration. So I'm hoping that we continue these discussions and think very specifically about the role that social movements might play. And so, yes, let's see, Cynthia. Thank you, Madam Chair. I'm trying to figure out how to put this. On the right, well, we have many political parties in the United States. On the right side of the spectrum, we have smaller parties that call for decreasing the budget of the Pentagon and ending U.S. involvement in all wars. Others of them say, close the bases and bring our young men and women who are soldiers home. On the more progressive side of the political spectrum, we have smaller political parties that say, in addition to those other items that they are in agreement on the right, they also say, put human rights first in as the motivation for US foreign policy, and create a Department of Peace, perhaps using the current Department of State, turn it into a Department of Peace. Now, what I'd like for you to imagine is if the voters of the United States, the majority of them, cast their votes either right or left for political parties that have such a call, how would that, in your opinion, affect the Palestinian struggle? Mm-hmm. Well, of course, all these questions affect Palestinian movement because United States has a dominant position. So the Palestinians are aware of this. But in fact, I think that the position of the movement, the Palestinian movement, is to say we have to reinforce ourselves. This is the first condition. And then we could negotiate. Because the question is to negotiate. If you can negotiate, it means that you are in a situation
of balance of power. If not, you can accept or refuse. But it is a testimony, it's not a resistance. So I think this is the main problem. So I think that it's the duty of the US movement to increase their position. And they have to do it, of course. And it is the problem of the United States society. There is a wonderful book written by Emmanuel Wallerstein. The name of the book is Imperialism European, and he say European imperialism, that's mean Occidental imperialism. And the subtitle is From Colonization to Intervention Rights, droit d'ingérence, to the right to intervene. And he say in this that the question is the question of the decline of the hegemony, not of the direction, not of the power, but of the hegemony. And so we are in this situation. So I think that the question is a question of alliance between movements and not of help from the movement of the North to the movement of the South. Thank you for your presentation. I have been coming to America over 100 times, and I love the American people, and particularly the activists. But what really is sad to me is that when American people, professors and people who know what's going on, say to me they're afraid of their own government, I wonder, does the American leadership know their own people are afraid of them? When America brought in the war, or policy of war on terrorism, this really worked out as war on men, women, and children, dropping drones in Pakistan, Afghanistan. It really played out as war against anyone who disagreed with America policy and Israeli policy. It played out as war against the Muslim world. It's very hard to be a Muslim and try to get through the airport in New York. Is there the fact that the Magna Carta, the American Constitution, the beautiful American Constitution, and remember that Eleanor Roosevelt, and it was Americans, put the input into that and led the world on the whole question of law and international rights. America done that and give real leadership. Now people around the world are afraid of America, disappointed in America, and angry that America is so bullish and arrogant, as is Israel, to think that they control the human family. My question is, how do we change this to call back our American and our Israeli brothers and sisters to recognize we're on a road to a third world war if we stay on this? And what is the role of the media in doing this? Now, we know people like Julian Assange, Bradley Manning, are being punished as examples to stay quiet, or this happens to you. We know this is what this is about. And it's to the disgrace of the media who have not stood up for the like of Julian Assange and the right for journalists to tell the truth. If we don't have that, what have we got? My question to you is, how do we, as the human family, as civil community, say to our media and to our leaders,
tell the truth because it's all we've got, and truth is power. Well, I don't know if it is a question. What I would say is that, in fact, happily, there is no predetermination in the story of nation. So many things depend of the activists and of the contradictions. And I think that we are in a period where contradiction will grow, because the crisis is at its beginning. And it's not only a financial question, crisis. It's an economic crisis, social crisis, ecological crisis, ideological crisis, geopolitical crisis. So many things will happen. It depends on what will be the proposal for the media, of course, but I remember that during the war of Vietnam, the movement for peace of Vietnam, they deal with media. And they arrived to develop the movements instead of the media. And they arrived also, I remember some of the people who were working in the movement, in the anti-war Vietnam movement, they told me, you know, the media, in fact, if you have a real action, they have to speak of you. Of course, they will not speak well of you, but people are not stupid. They can traduce. So the question is not to control media. The question is to open contradiction and to have a political struggle, including with the media, I think. Well, it's not really an answer, I'm sorry, but. Let's see, there is one more question. Pierre, is it possible to take the very last question? Can you be very brief, Ronnie? I will be very brief. Well, thanks for your input. And I'm not too sure, though, from your input, how you see international coordination. You refer to the World Socialist Forum, and perhaps you're indicating that could be the vehicle. I'm not sure, because the World Socialist Forum has a long agenda. You see, the efficacy of the anti-apartheid movement of South Africa was there was one dedicated world movement that started in different countries. There was no command center as such, but it was this vast umbrella that brought the contingents all over the world together in country form. And then within the countries, the different forces, social forces and so on, from the trade unions to the churches, to there was an organization for the freedom for South African political prisoners, which had developed and came under this. For women, for the youth, sport, academic peoples, and so on. But all came together, which seems to me BDS is beginning to create something of that nature. But it seems to me, in looking as the way ahead, and I'd like to ask you how you see it, that what is so vital is that we're able to create that unifying umbrella, all marching to the same tune. Well, it's the project and the hope. That means it is the project. That means that the BDS campaign renew the solidarity movement. One of the reasons is that the BDS campaign starts from Palestine. I saw that there is a book of Omar Barghouti on the table, explaining why the BDS campaign was important. And so I remember the anti-apartheid movement in the world. Many of us participate to this. One of the conditions was the resistance
in South Africa, the political resistance in South Africa. And for this, the movement, the solidarity movement, has not to think, who am I supporting? I support the struggle of South Africa, South African people, against apartheid. I hope that the BDS movement will be able to build something like this, unified, unified does not mean homogeneous, of course, in the world.